Lomé, ça fait un petit moment que t'as pas publié de vidéo sur YouTube. Oui, je sais, mais j'avais ni le temps, ni l'endroit, ni le oui, ni le non, ni le si, ni le ça, ni le... Oui, mais Lomé, tu nous as dit que tu serais régulière sur YouTube. Hein. Je veux dire... Hein... Bon, voilà, vous l'aurez compris. Je n'avais ni le temps, enfin si, j'avais peut-être le temps. Puisque je suis dans une situation de logement précaire depuis des années. Enfin, vous inquiétez pas, tout va bien. Rien de grave, quoi. Je ne suis pas à la rue, j'ai un logement, j'ai une petite pièce pour moi, etc., etc. Mais là-bas, je ne peux pas filmer. Donc, j'attends toujours d'être chez mes parents pour filmer. Donc, là, actuellement, je suis chez mon daddy. Chez mon daddy cool. Daddy, daddy cool. Et du coup, voilà, je vais filmer les prochaines vidéos ici. Donc en fait, je filme des vidéos d'avance, comme ça vous en avez quelques-unes pour les semaines à venir. Et j'espère que ça va vous plaire, quoi, tout simplement. Donc je suis trop contente de vous retrouver. Ça m'intimide toujours de refaire des vidéos parce que bah... Bah ça fait bizarre de reparler à mon téléphone du coup, puisque je filme pas avec une caméra, je filme avec mon téléphone. J'ai tout le temps des cernes, donc ne vous dites pas, ouais, elle revient sur YouTube, hein. Elle est fatiguée, il y a quelque chose qui va pas. Alors oui, il y a plein de choses qui vont pas, comme tout le monde, comme la vie de tout un chacun. Mais les cernes, pour le coup, j'en ai vraiment tout le temps. Un mode de vie finalement. Je ne sais pas. Bref. Ah, je suis trop contente de vous retrouver. Je suis trop contente. De environ 10 minutes à peu près, je sais pas trop parce que j'ai pas beaucoup de stockage dans mon téléphone. Toujours le même problème qu'elle nous sort celle-là. Oui, j'ai inventé un nouveau personnage qui parle en soft spoken. La meuf est crazy. C'était super gênant ça. Bref, du coup voilà. Donc il y a plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous dans cette petite vidéo. C'est que ouais, pour vous faire quelques vidéos d'avance et tout. Et vu que je sais plus trop quoi faire, je suis un peu perdue quoi. Je vais vous faire des vidéos d'environ à peu près 10 minutes, je pense. Des vidéos plus courtes que d'habitude. Et voilà. Et sinon, je voulais vous présenter mon nouveau décor. Donc, ça va être le décor pour les prochaines vidéos à venir. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce décor? Nous avons. J'ai l'impression que je fais la présentatrice météo. Au niveau des minimales, il y a des anticyclones. Donc là, on a Coraline. Coraline de Henry Selick, pour ceux qui connaissent. Une femme à poil. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai toussé. Donc on a une femme avec un. Un espèce de gnome, une espèce de gnome, pardon, je ne parle pas le français, donc voilà, je mets la main sur ses fesses, c'est drôle, bref, voilà, on a une jolie illustration ici, nous avons Sleeping Beauty, voilà, une petite affiche ici, bon pour un bon karma, je ne crois pas au karma forcément, enfin, c'est, je sais pas, j'ai pas trop des croyances comme ça, mais je sais pas, je trouve que c'était joli. Ensuite, nous avons derrière moi je n'arrive pas, mon doigt. Ah, bizarre. Attendez. J'aime l'ASMR. Ça, c'est moi à Disney quand j'étais petite. Voilà, une vraie queen, finalement, une vraie princesse. Je mérite mon. Non, pas là. Là. Je mérite mon. Je mérite. Je mérite. Je mérite mon princess treatment. Preuve.
suis toujours là. Elle me maltraite, à l'aide. Non, je rigole. Non, mais oui, elle est toujours là. Et j'ai l'impression que je suis rouge. Que je brille. Je sais pas si c'est la ring light ou quoi. Bref. Elle est là. Regardez. On est là. Bref. Voilà. Je la maltraite pas, bien entendu. Je ne maltraite pas les peluches. Ça, c'est une caricature de moi qu'on a fait. Je crois que c'était la Made in Asia, si je dis pas de bêtises. Ou la Japan Expo. Non, pas la Japan Expo. Parce que je crois que c'était genre une conférence du genre. Je crois que c'était la Made in Asia à Bruxelles. Et quelqu'un a fait une caricature de moi que j'ai payée avec mes sous, bien entendu. Ce n'était pas gratuit. Mais je l'aime bien. Je trouve qu'elle me correspondait bien. J'étais en cosplay de Lydia Deetz dans Beetlejuice. D'ailleurs, il y a Beetlejuice 2 qui sort à la fin de l'année. J'attends que ça. Je crois que c'est le 22 septembre. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est en septembre. Je crois que je vais aller le voir en avant-première. J'ai trop hâte. Je n'attends que ça. Je dévie de sujet. Donc, ensuite, on a les pieds de... Alors, c'est les pieds de... glauque finalement. Ensuite on a cette jolie carte qui est une carte de créatrice que j'avais eu en convention aussi. On a une référence à Fauve que j'ai eu dans un de leurs albums, pour ceux qui connaissent Fauve, donc un collectif de musique, mais pas que, enfin ils ne sont plus actifs à l'heure actuelle, ou ils sont actifs sous d'autres noms, mais du coup bah, ça fout le seum parce que moi j'adorais leur musique. Du coup petite référence à Fauve. Et bien sûr nous avons Harry Potter est élève à Poudlard. Bref, Harry Potter, Invisible Number One, Harry Potter, Harry Potter. Donc voilà pour mon petit décor des futures vidéos. J'espère que ça vous plaît, que vous trouvez ça sympathique et tout et tout. Voilà. Que dire de plus? Oui, également, je viens d'atteindre les 100 abonnés sur TikTok. Passe la tondeuse, genre ça fait 2 heures ou je sais même pas ça fait combien de temps, c'est un truc de ouf. Bref, ça fait grave longtemps il passe la tondeuse ou je sais pas quoi, ce qu'il fout, mais bref, la campagne ce n'est pas toujours si calme finalement. Et parce que oui, je suis à la campagne. J'ai un truc dans l'œil. Ah ouais. Allez.